Regardez ça, je vais vous présenter une technique qui va vous permettre d'améliorer vos aspects. Alors ça ne fonctionne pas avec tous les aspects, donc il faudra vérifier manuellement si ça fonctionne ou pas. Donc là, vous pouvez voir que mon aspect me donne 420 de points de fortification quand je change 6 fois d'arme. Donc maintenant, je vais tout simplement aller chez le forgeron et je vais améliorer l'objet. Donc là, j'améliore l'objet et regardez, quand j'améliore l'objet, je passe de 220 points de fortification à 236 points de fortification. Donc j'améliore l'aspect. Est-ce que... Donc là, quand je le réaméliore, ça ne fait rien. Là, ça l'améliore à 454. Donc je passe de 420 à 454 points de fortification. Et là, si je l'améliore encore une fois, je ne gagne rien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est extraire l'aspect. Alors quand j'extrais l'aspect, j'ai toujours les 454 de fortification, donc c'est parfait. Maintenant, je vais graver l'aspect sur un autre équipement qui n'est pas amélioré pour l'améliorer encore et essayer de booster l'aspect. Donc 454 de fortification, ok, parfait. Je grave l'aspect et maintenant, je vais améliorer ce nouvel équipement pour voir si je peux booster l'aspect. Donc quand je l'améliore, là, je suis à 454 encore. Ouais, donc là, ça va pas. Apparemment, on peut pas l'améliorer sur deux équipements différents. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est avant d'extraire l'aspect d'un équipement, essayez de voir si vous pouvez l'améliorer. Et ensuite, vous extrayez l'aspect amélioré et vous le mettez sur votre équipement qui est déjà niveau max.